Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, avec la crise du Covid-19, les États membres et l'Union européenne se sont rendus responsables de nombreuses violations des droits des travailleurs mobiles. En fermant brusquement les frontières, les plus précaires parmi les précaires, les travailleurs migrants des pays tiers, se sont retrouvés seuls face aux abus de certains employeurs. Sans couverture sociale, sans ressources et dans des conditions de logement indécentes, sans possibilité parfois de rentrer chez eux. N'en déplaise aux nationalistes, ces personnes sont essentielles à notre économie, à notre agriculture, à la construction de nos pays, et ce traitement n'est pas digne des valeurs européennes. Sur le sol européen, l'égalité des droits de toutes et de tous doit être définitivement proclamée. Cette résolution est une avancée, mais il faut encore aller plus loin. Il est temps que l'Europe passe de l'exploitation de ces travailleurs migrants à la reconnaissance de leur contribution à notre économie et à notre souveraineté alimentaire. Il est temps que l'égalité des droits devienne une réalité concrète, véritable et vérifiable. Merci.